une chute à l'arrière du peloton avec malheureusement c'est Michael Schérel, le Normand de l'équipe AG2R La Mondiale qui est à terre. On va nettoyer. Là, ils ont rien vu de cassé. Comme dit Eric, t'as, voilà. T'as fini le tour sur une chute, tu reprends le tour sur une chute. Mmh. En deux étapes, deux chutes. Hein? Ouais. Michael Schérel, chute d'entrée sur un grand tour. Dès le premier jour. La main, ouais. Pour tenir le guidon sur la cocotte, quand je pose la main, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de problème. Même quand tu serres. Je peux même me mettre en anseuse. Non, je ne serre pas beaucoup, je pose ouais. Juste la main. C'est mat. Un petit peu, mais pas énormément comme ça. Toujours là. Ouais. Par contre, dès qu'il y a des vibrations sur la route, ça faisait vraiment mal. Ouais. Ouais. Ok. C'est un tout petit peu gonflé quand même. Ouais. Ici, là. Si ça persiste de 3 jours, on fera un scanner en rentrant en France. Ok, d'accord. Ouais. Je le ferai en tout à l'heure. Ça roule. Tu me sonnes ? Ah bah oui, mais on n'a pas de téléphone ni rien. Eblel Kadri dans l'échappée à 7 vient d'accélérer. Tout de suite suivi par Cyril Lemoine qui est en forme. Cyril Lemoine. Les voilà, les deux coureurs français vont être en tête alors qu'on attaque la 5e difficulté du jour. Et Babi, il a fait une belle course. Hein. Ah oui, il a donc. Mis une belle minasse. C'est bien. Hein. Comme je l'ai dit, là, je l'ai vu, je dis bravo. Puis je dis, de toute façon, il me dit ouais, mais ça n'a pas marché. Puis maintenant, t'as essayé, c'est bien. Et Blel Kadri, pour quelques instants encore en tête, mais plus pour longtemps, puisque la tête du peloton est en train de revenir. Babi Blel, ou plutôt Blel Kadri, n'a pas tout perdu, élu combatif du jour. Sur le podium, Peter Sagan, le Green Jersey winner. Blel Kadri, le corps de l'équipe AG2R La Mondiale. Sous les feux des projecteurs, il est tout simplement rouge de bonheur. Tu t'occupes de lui ? C'est toujours une récompense, c'est sympa. Ouais. Ça, c'est bon, c'est ça. Ouais. T'as pas fait la journée pour rien devant. C'est bon comme ça, t'as froid ? Ah, ça va, ça va. Hein ? Ça va, ce matin, les combattants retournent affronter le tartan. Après 100 mètres, au point tourné à droite, troisième sortie. Presque. Certaines chasubles se gagnent, d'autres s'héritent. Maillot vert sur les épaules de Peter Sagan, du coup Romain Bardet hérite du maillot blanc de meilleur jeune. Et quand est-ce qu'ils en font un pour les vieux hein? Le vétéran. Pour les vieux croulants comme moi là. Attends, j'ai du mérite aussi, hein. Une chose est sûre, les roues du royaume réussissent à l'équipe. Ça va,
un dossard rouge de super combatif, un maillot blanc en héritage, des coureurs tout simplement à l'heure anglaise pour le plus grand plaisir du staff, espérons qu'avec le changement d'heure, il n'y ait aucune incidence sur les performances.